En ce moment, on est en moyenne, je pense qu'on a 15-20 personnes, je pense, en ce moment. Comme ça, je vais tirer ton bout de pain par une putain. Enfin, il y a des gens qui prennent des initiatives et s'ils ont besoin d'aide, ils demandent à d'autres, mais personne ne va dire putain, il faut que tu fasses ça. Depuis qu'on est ici, chacun dit. Enfin, on en a parlé entre nous de qu'est-ce qu'il y avait à faire concrètement sur le lieu. Et puis après, la journée, le matin, on... ouais, chacun s'organise pour. Enfin, on va vers une tâche. Ok. Eh, au courant de matinage. Déjà ici c'est un lieu, un petit lieu de vie quoi. Enfin, on peut pas trop le comparer à un endroit comme, comme Calais ou enfin, même si l'idée est quand même de venir en aide à des personnes fragilisées, tu vois, qui arrivent sur le territoire et qu'on rien. Je trouve que c'est pas la même démarche. Ici c'est chez Cédric. Il y a tout un petit réseau local, il y a plein de gens qui gravitent autour, mais c'est quand même sa maison, quoi. No, because we need to come there till the end. Okay. Because otherwise we won't be able. Okay. Et après, sur le truc de la vie à la ferme, si, je trouve que ça change vachement ton quotidien. Pas que ça complique, mais du coup, le rythme est différent. Plein de choses qui, du coup, ça va être plus compliqué quand tu dois transporter, je sais pas, 150 couvertures. Ben, du coup. Bah, en fait, c'est vrai qu'on vit ensemble ici. Parce que. Ben, moi aussi, je dors dans une tente, quoi.